Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui au Paris Games Week. Et oui, comme tous les ans, nous voici au rendez-vous. Yes, exactement. C'est création quand même. Depuis... On n'en a pas loupé un seul. Bah, c'est vrai. Ça, on dirait qu'on fait ça depuis 93 et tout. Bah, que dalle. On n'est pas né. Donc, c'était conçu, j'étais encore dans les couilles de mon père. Non, bon, bref. Alors aujourd'hui, on se retrouve à Paris Games Week pour vous annoncer qu'on y sera encore cette année et pour vous donner un point de rencontre une nouvelle fois pour cette année. Donc, on sera à Paris Games Week ce samedi, le 1er novembre 2014. À 13h. À 13h, ici même, au stand de Lego Batman 3. Au-delà de Gotham, parce que vous savez, on est chaud, on est très fan de Lego Batman, particulièrement VGM. C'est le jeu du salon, on a déjà pu l'essayer. Non, j'y toucherai pas, c'est mort, jamais de la vie. L'an dernier, on s'est retrouvé devant un truc de Lego Batman, histoire 2, tu vois. Donc là, on fait ça. C'est vrai en plus. C'est une bonne tradition. C'est une tradition. Pour le retrouver, c'est facile. Très simple. À l'entrée, en fait, vous allez passer par là systématiquement pour accéder au salon, en fait. Exactement. On n'est pas sûr que ça soit l'entrée, normalement. A priori. Là, c'est juste à côté du stand Made in France, donc vous pouvez pas le louper. Voilà, on est à côté d'entrée, vraiment, normalement, pour entrer. C'est un pavillon qui est un peu plus tranquille, vous savez. Paris Games Week, il y a trois pavillons, il y a le grand pavillon central, il y a le pavillon ESWC, et là, dans les pavillons, il y a les friandises, etc. Et là aussi, il y a le truc jeunesse. Voilà. Jeunesse et Made in France. Donc, ça sera plus tranquille, quoi. Pour pouvoir se retrouver, discuter ensemble, posément, et éventuellement, des petits striptease. Un petit grec au calme. Je prends un petit grec, non, bien sûr. Donc, on sera là. Il faut savoir que c'est 10 euros le menu. Pour savoir ce qui va un peu se passer concernant cette semaine, ce que vous allez avoir droit au Paris Games Week. Donc, cette année encore, on a eu des petits déboires avec le Paris Games Week qui nous a pas accepté en tant qu'accrédité, mais on a, on a été accrédité pour un truc bien meilleur, c'est-à-dire la Game Connection Europe. Donc c'est-à-dire que le Paris Games Week, ils sont encore très forts, ils nous ont encore dit ah non, vous faites pas un truc sérieux, on vous prend pas. Par contre, le stade carrément au-dessus, c'est-à-dire le salon européen qui est à côté, juste à côté du jeu vidéo, qui est uniquement dédié aux professionnels, eux nous ont accepté sur le même dossier. Donc, voilà, alors on voit ceux qui sont un peu sérieux, ceux qui le sont pas. Ne cherchez pas. Et du coup, on a l'accréditation maximum. Et du coup, on sera à la fois à la Game Connection et à la Paris Games Week. Et c'est l'occasion pour nous de faire tout un tas d'interviews exclusives. Exactement. Quand on a vraiment la chance et l'honneur de faire. Qu'est-ce que c'est que la Game Connection? Parce que les gens entendent beaucoup parler du Paris Games Week, où on va surtout tester les nouveaux jeux. Bah, la Game Connection, c'est plus un truc pour les professionnels. Du coup, on va y avoir plein de professionnels. Voilà, pas mal de développeurs. Le rendez-vous des créateurs de l'industrie. Donc, ça va par exemple du petit développeur indépendant qui va promouvoir son jeu Facebook jusqu'au creative director d'Assassin's Creed, voilà, par exemple. Voilà, donc il y a énormément de gens. On a un planning de meeting qui est déjà pas mal complet. Donc on va pas mal prendre cher parce que ça va être assez intense. On a des interviews à préparer en français, en anglais, etc. D'ailleurs, de vous donner des petites photos Facebook exclusives pour vous teaser un petit peu et suivre nos aventures. Si vous n'avez pas liké la page Facebook, c'est le moment. Pas parce qu'on veut un petit peu de like, on s'en tape, mais parce que justement, on va publier au fur et à mesure ce qu'on fait. Parce que vous allez avoir les interviews, etc. Mais le pauvre Eric, il est déjà mort de ce qui va se passer là. Parce que Vous pouvez aussi compter sur l'application, parce que l'application, là derrière, et ben nous, on est là pour mettre le contenu à jour. Je vais pas envoyer une notification à chaque fois qu'il se passe un truc. Pas à chaque fois, mais bon. Pour les grosses vidéos, et je pense que voilà. Cette semaine, ce qui va se passer, on pourra parler vite fait. Donc aujourd'hui, là, mercredi, on a la petite vidéo qui vous explique celle-là. Ensuite, on aura un test qui va sortir vendredi matin et vendredi soir. Deux spéciales à minuit. Donc voilà, qui sera pas du tout lié au Paris Games Game Connection. Pas du tout. Une de nos nouvelles rubriques dont on vous avait parlé au début, qu'on avait teasé seulement. Culturelle qui est sortie hier. Donc la manquez pas si vous l'avez. Enfin, allez la regarder si vous l'avez. Voilà, donc, ça va être un gros game show de Nécho. Nouvelle rubrique hier, l'interview culturelle. Allez jeter un coup d'œil. Et vendredi soir, minuit, une autre rubrique qui n'a rien à voir avec l'interview culturelle. Voilà. Et on espère que vous avez kiffé. C'est un contenu un peu plus fun. Bref, on vous laisse la surprise. Et cette année et cette semaine, nous on fait plein d'interviews quand vous aurez. Faut rappeler que c'est quand même vraiment un honneur pour nous d'avoir la chance de faire ça, parce que c'est vraiment une opportunité en or, vraiment. Si on veut teaser un petit peu, il y a par exemple du Ubisoft Montpellier ou du Ubisoft Montréal. Ou du RAM. Ou du grand développeur français, voilà, ou pas français. C'est pas français du tout d'ailleurs. Donc il y a du assez lourd. On a réussi à choper du gros et c'est cool. Et aussi des gens qui sont pas forcément gros mais qui sont hyper intéressants. Ouais. Bref, en tout cas, voilà, on va vous parler de jeux vidéo. Du Paris Games Week, il va y avoir évidemment toutes nos impressions qui vont tomber, bien comme sûr, d'habitude. Voilà. Petit teasing aussi, on a pu tester pas mal de jeux. Evolve, Bloodborne. Vu que là on est à la fin de la soirée presse déjà. En fait, pas mal de jeux qui sont jouables pour la première fois en France. C'est Unity, Far Cry 4. On s'est fait une orgie ce soir. Bon, vous, il va falloir attendre un petit peu parce que RL. Comme vous savez, déjà, il y a toutes ces nouvelles vidéos dont on a parlé. Voilà. En plus, il y a les interviews et en plus, il y aura les impressions. Je pense que RL, qui est à la caméra en ce moment, est en train de se suicider dans sa tête. Ouais, là, il a Parkinson.
Non, bien sûr. Ça va prendre son temps, comme d'habitude. Voilà. C'est normal, on n'est pas. Sachez que derrière, il y a vraiment le montage, c'est vraiment un boulot qui est énorme. Il n'y a pas énormément de monteurs, il y a derrière, il y a qu'un seul mec. Il n'y a qu'un seul, et en plus, il n'est pas en vacances. En plus, il n'est pas en vacances, et de base, rappelons-le, c'est vraiment un travail qui est assez faramineux, et surtout quand on est. On fait ça à côté. Aussi. Il faut aussi dormir aussi. Oui. Ah bon? Bah là, pour cette semaine, pas trop. Je suis pas sûr qu'on va dormir beaucoup. Aussi. Non, bon, bref. On a encore les interviews de demain préparées. Hein. Voilà, bref, on se retrouve dans tous les cas samedi à 13h. Samedi 13h, ici même, Lego Batman 3, Hôtel Gotham. N'oubliez pas. Bah, n'oubliez pas si vous êtes là. Et surtout, ne soyez pas timide, nous on sera là. Venez, n'ayez pas peur de nous parler. On est peut-être en train de dormir par terre. Parce qu'on garantit rien. Mais on est hyper ouvert, il n'y a pas de problème. Ravi de revoir ceux qu'on a déjà vu l'an dernier et encore de revoir de nouveau, on espère. De nouveaux abonnés pour élargir notre champ de rencontre, pour pouvoir discuter. Et donc, puis après, on ira donc à Cyprien Gaming Show comme prévu. Voilà. Gros fail. Non, bien sûr que non. Voilà, on va se quitter sur ces douces paroles et pas la peine de se dénaliser davantage. On va faire Cyprien Gaming Show toute la soirée. Ouais, on va de la bonne musique. On va recevoir quand même la star. La star. La star du salon. Non, bah arrêtez, arrêtons de faire la mauvaise angle. On se retrouve donc samedi, 13h. Et sinon, tous les jours de la chaîne. Notre chaîne. Et puis, on va partager parce que là, la chaîne, elle est à fond. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, n'hésitez pas. Allez sur Twitter pour rejoindre le compte du Nez Chaud, la page Facebook, l'application, bref, la totale. Et ça nous fait vraiment plaisir. Et merci encore d'être aussi présent et toujours plus nombreux. Je tiens à dire un truc, merci RL d'être toujours aussi droit dans ton cadrage, même si je fais durer exprès le temps de cette vidéo. Quel enfoiré. Bon, allez, à bientôt. Gros bisous.